Salut tu passes à fond, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Review. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un set Lego 18+, dans la Botanical Collection. Donc le bouquet de fleurs, le set 10-280, qui est composé de 786 pièces. Excusez-moi. Ce set étant composé de 756 pièces est censé représenter un bouquet de fleurs et il le fait à merveille. Donc voici la boîte, vous pouvez constater, hein, je l'ai eu à moins 50% à 23 euros au lieu de 46, mais je vous explique tout dans le shorts. Maintenant, on va s'attaquer plus en détail à chaque partie de ce bouquet de fleurs. Déjà, dès comme ça, donc on va passer des moins intéressantes aux plus intéressantes. Donc celles-ci, ils sont tout simplement composés comme ça, hein, c'est-à-dire trois morceaux techniques verdâtres et ici, une longue tige en sanguine qui monte vers deux buissons en vert un peu foncé. Donc ça c'est le plus facile à construire. C'est pas moi qui les ai fait ces deux là, puisque dans le bouquet ils sont au nombre de deux. C'est pas moi qui les ai fait, je pourrais pas trop vous en parler sur la technique de construction, mais ça avait l'air assez simpliste. Ensuite, sur quelque chose que moi j'ai monté, c'est celle-ci qui n'est qu'en un seul exemplaire. Alors, c'est plutôt pas mal. Je veux dire, ça se laisse monter. Mais... voilà. Donc, c'est assez pas mal avec la technique des feuillages. Mais bon, il n'y a pas... Y a pas cassé trop... y a pas de quoi de casser trois pattes à un canard. Et franchement, bah, c'est assez... C'est assez chiant en fait. Parce que, oui, bah oui, faut le dire. Parce qu'en fait, si vous voulez, faut pas vous gourer de feuillage. Parce qu'il y a deux feuillages différents. Il y a un feuillage où il y a une seule feuille. Par exemple, celui-là. Celui-là, vous voyez, il n'y a qu'une seule feuille. Alors que dans celui-là, bah, il y en a deux. Donc du coup, faut pas se tromper. Parce que sinon, ça gâche toute la feuille. Enfin, tous les pétales, et moi je me suis gourée et du coup ça m'a fait perdre beaucoup de temps, donc ouais, c'est un peu dommage quoi, mais bon, sinon c'est assez plaisant en soi. Ensuite on va s'attaquer à ça. Ça je les ai fait aussi, c'est bah, juste les feuilles en fait. Donc petit système d'accroche ici, il y a beaucoup de pièces vertes, hein, en même temps c'est normal. Là cette longue pièce est plutôt pas mal aussi, hein. Ça fait des grosses pièces quoi. Là on a des planches de surf en sanguine. Je crois que c'est exclusif à cette boîte, en tout cas j'en ai pas souvent vu passer, donc c'est pas mal. On en est à 3 du coup, des feuilles comme ça, donc ça fait 3 planches de surf si vous voulez l'utiliser en part-out ou si vous voulez retirer les feuilles, donc ça c'est pas mal aussi. C'est pas plaisant à construire, mais ça se laisse construire. Ensuite, on va stacker à celle-ci. Celle-ci, pareil, c'est pas moi qui l'ai montée. Ça a l'air d'être bah, une fleur. Donc la fleur a l'air sympa, hein. On a envie de souffler dessus. Surtout qu'elle a un effet, vous voyez, un peu bah, de biais, quoi. Parce que techniquement, ça c'est la tige, on est d'accord. Et ça, c'est la fleur en elle-même. Voilà. Mais franchement, ça devait être assez plaisant à construire, je pense. Et oh, d'accord, c'est du doré. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a là? Pardon, je donnais un coup dans le. Il a pas aimé. D'accord. Bah en fait, c'est fait comme ça. Technique de snot pour placer ça comme ça. Oh. Voilà. C'est pas mal la technique de snot. Voilà.
Ensuite, des fleurs qui, franchement, pas que c'est chiant, mais c'est pas ouf, quoi. Genre, c'est pas le truc que t'as le plus envie de construire, en fait. C'est-à-dire que, soit, moi, par exemple, j'ai galéré avec les pétales pour que ce soit un minimum bien. Parce qu'en fait, c'est pas sur la notice, c'est pas bon ce qu'ils disent. Parce que c'est pas possible. Donc, voilà, faut trouver le bon angle. Et c'est assez dur. Alors, du coup, j'ai vu, ils ont pas fait 4 sur la même tige. Ils en fait 3, ils ont rajouté une petite branche. Ça s'appelle Groot. Et ouais, bon, sinon. Alors, ouais, ça fait un bouquet de pâquerettes, mais bon. Voilà. Bon, ça reste plaisant quand même. Ça, il y en a 3. Alors, il y en a 2 de la même, quoi. Et il y en a une qui est différente des deux. Alors, celle-là, elle est en biais. Voilà. Donc, ça utilise des capots de voiture couleur chair. Donc. Avec ici, là, des ailes de dinosaures de Jurassic World en dual molded, j'ai l'impression. Dual molded, comme ça. Vous voyez, on voit les ouais, griffons là. Voilà. Bon, sinon, après, c'est une rose du coup. Donc, on a les petites épines. Ça reste plaisant à construire, c'est vrai. D'ailleurs, au bout de la deuxième fois, je l'ai fait sans notice. Donc, c'était pas mal. Donc, du coup, il y en a une deuxième qui est exactement pareille. D'ailleurs, la tige est composée à 100% de petits bitonio techniques. Et ensuite, on a la même rose, mais droite. Droite. Donc, voilà. C'est pareil. Du coup, sauf qu'il n'y a pas d'épines. C'est la même aile. Voilà. Donc vous avez 3 ailes dans ce set. Pareil pour du part-out, c'est pas mal. Ensuite, dernière fleur que je n'ai pas montée moi. Il y en a 2 dans ce set. La personne qui l'a montée a galéré à la montée. Je sais pas pourquoi. Bon après elle n'a pas spécialement d'expérience dans le domaine. Mais même, je veux dire. Voilà. Donc. Ça a l'air pas facile à construire. Je veux dire, tu vas pas faire ça à 3h du matin après une teuf, quoi. Mais bon, ça reste sympa, c'est mignon. Il y en a 2, à toute fin utile. En plus, c'est vraiment des pièces de feuilles. On utilise des pièces de criff dedans. On utilise beaucoup de sand green, en fait, dans ce set. Donc ça, c'est pas mal d'avoir cette couleur-là qu'on n'a pas en autant de quantité. Et ensuite, la dernière feuille, celle qui est pour moi la plus belle, mais la plus pire. Je sais, c'est pas français, mais c'est celle-ci. Franchement, alors elle a l'air mignonne comme ça, hein, mais placer les pétales, enfin les fleurs sur les petits trucs, c'est galère. J'en avais mis un, il a sauté je ne sais où. C'était énervant. Mais bon, j'ai réussi à le finir. Faut pas trop toucher. Mais c'est pas mal quand même. C'est un bon résultat, je trouve. Ici, du coup, bah, on a pareil les petits bitons de technique. J'ai pas compté combien on en a. Aussi, dans la notice. Attends, la notice. La notice, vu que c'est du 18+, forcément. Bah, ils disent plein de trucs que t'as pas forcément envie de savoir, en fait. C'est d'ailleurs le démon de Penon. Du set, il est bleu turquoise. Donc ça c'est à toute fin utile, c'est une information comme une autre. Et donc, vous voyez au début, il parle un peu de tout. Alors du coup c'est en anglais. Vous voyez la vendre. Faire arrêt sur image si vous savez lire l'anglais pour que vous puissiez hop, regarder. Voilà. Aussi, je trouve l'avant est cool. Voilà. C'est plutôt sympa, vraiment. Alors, moi, je me suis amusée à faire ça
Donc j'ai rempli un vase de plein de pièces bleues pour faire style de l'eau en fait. Et je dois avouer que l'effet marche. Il y a même une abeille, quand on a fini de le construire, elle est venue sur la fleur. Elle s'est dit, ah, y a pas de pollen. Mais ouais, du coup c'était plutôt pas mal. Alors, du coup, toutes mes pièces bleues, ils sont passées dedans. Donc du coup, ça donne vraiment un effet d'eau. Puis au pire, ben, si je veux des pièces bleues, je sais où aller chercher maintenant. Et donc voilà. Ouais, j'ai mis des pièces. Pièces d'Epic Battle Set. Et ça. J'ai mis des cylindres, des tailles, des plates. J'ai mis un peu de tout en fait. Et donc, ça donne un beau petit bouquet de fleurs dans de l'eau, du coup. Et le tout en Lego. Alors, je voulais faire aussi à un moment donné une sorte de. Acheter les figurines abeilles là en cosplay, les mettre avec des pièces transparentes sur les fleurs pour qu'elles butinent. Mais je sais pas trop si je le ferai. Alors pas tout de suite hein, mais un jour ou l'autre. Donc du coup voilà ce que ça donne pour ce magnifique bouquet de fleurs. Et dans le Lego Room Tour, si jamais il sort un jour, bah, vous le verrez normalement. Une fois que j'aurai fini le réaménagement. Parce que c'est loin d'être fini. Bon. Bah écoutez, tout ça pour dire que ce bouquet, il est vraiment bien si vous n'avez pas la main verte. Chose que moi je n'ai pas. Et bah, ça vous permet d'avoir un peu de verdure dans votre Lego Room. Chose qui n'est pas très facile dans une Lego Room de mettre des plantes ou autres. Donc là c'est plutôt pas mal d'avoir des plantes comme ça. Il y a ma mère qui est tombée amoureuse, si on veut, du set des succulentes. Je trouve ça un peu petit en fait. C'est ça qui me dérange. Je trouvais ça un peu petit. Mais sinon, oui, c'est agréable. J'ai fait ça en 1h30, 2h. Ça dépend de votre niveau de construction, mais c'est plutôt pas mal. Moi j'ai bien aimé. Ah bon, après j'avoue, le payer 60 balles, ça vaut vraiment pas le coup. Achetez-le en promotion. Moi vous voyez, j'ai eu du bol, j'ai eu à moins 50, donc vous n'êtes pas obligé de l'avoir à moins 50. Et puis si vous pouvez l'avoir à moins 70, c'est mieux hein. c'est ça que je veux dire. Mais prenez-le au meilleur prix, quitte à le prendre d'occasion pour avoir ce set. Que ce set pack, il est indispensable, mais il est quand même pas mal. Et je suis sûre qu'il plaira à plus d'un. Donc, bon, après, il a plu à plus d'un, parce que je pense qu'il est plus proche de sa fin de vie que le début. Mais bon, vous voyez, il y a beaucoup de fleurs quand même. Hein. Donc, il y a un peu de. Après, bon, on a mis 2 heures à 2, du coup. Hein, parce que bon, voilà. Et si vous êtes tout seul, je pense que vous mettrez 3-4 heures facilement. Voilà. Donc bah du coup c'était à peu près tout pour cette vidéo. Voilà, vue d'ensemble sur le bouquet. Voilà, donc on va finir là-dessus. Attendez. Hop. Capture d'écran. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire ce que vous avez pensé sur Instagram. Et voilà. Bah, il ne me reste plus qu'à vous dire, c'était MC de la chaîne Lego, qui espère que cette vidéo vous aura plu et qui vous dit bye.